ce lieu c'était tout ou rien. Une sorte d'incohérence s'installait. Trop de choses emplissaient son cœur, l'île marqua un arrêt dans le quotidien. Mélancolie. Leïla osa poser la question directement. Il était difficile d'être soi-même une jeune femme inconnue portée dans ses bras un bouquet de fleurs. Une autre jeune femme ouvrait ses bras à un garçonnet qui s'y précipitait en riant. Comment savoir ce que chacun retrouvait au fond des yeux de l'autre? Comprendre qu'il y a une infinité de choses. Ce n'était pas ça, perdu, tout était perdu, l'espace prenait forme. La situation semblait de plus en plus nette. Elle buvait avidement sa passion. Rien n'était résolu. Tout ça ne servait à rien. Adam se sentit inquiet. Il avait l'impression de voir tout cela pour la première fois. Le désespoir clamait la fin de son espérance. Adam se rappela vaguement la scène. Il lui fallait brutalement faire quelque chose, mais tout cela manquait de chaleur. Il voulait aimer. Présent sans l'être, il semblait attendre quelque chose, pourtant ce jour était pur de tout scepticisme. Il faut savoir prendre les choses comme elles sont. Adam est tantôt du côté de la réalité, tantôt du côté du rêve, il n'y a là rien d'anormal. Où commence la culpabilité, la mémoire, une chambre ouverte dont l'image le poursuit, émotion inquiétante de déjà vu. Il suffit de peu pour que la passion paraisse. Présent sans l'être, il semblait attendre quelque chose, pourtant ce jour était pur de tout scepticisme. Éviter fantasmes et idées fixes. Rien n'était réellement stable. Une jeune fille jouait dans la neige avec un ratier jaune. La nuit s'allongeait. Adam se souvint d'un fragment de robe, d'un bras. Il regardait la vie avec une innocence et une fraîcheur infinie. Il demeura un moment dans l'hésitation, il allait d'un lieu à l'autre, il avait beaucoup aimé, passé et présent lui composaient une vie unique. Jeu de l'amour et du hasard. Adam comprend qu'il y a une infinité de façons de voir le monde. Passion, haine. C'était la passion. Adam ne saurait dire quel souvenir précède les autres. Demain devrait être différent. Il ferma les yeux, quelque chose était encore possible, tout se précipitait à présent vers lui. Il jeta un regard furtif. Il avait l'air si hésitant. L'imagination n'a pas d'image. Attente, haine. Pourquoi y avait-il quelque chose qui n'allait pas? Son imagination était fantaisiste. Il sentit que le réel était là, mais de quoi être sûr quand la Terre elle-même nous trahit avec une impression obscure de déjà-vu?